Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode multijoueur sur Europa Universalis 4, l'épisode, la série du moment avec Ardarin, Brouda, Feslan. Salut tout le monde. Salut. On a Paris dans notre camp. Hein, ouais, Boudaf, on a Paris, nous. Ah bah oui, on est. Moi j'ai Paris. Quand hein, on a Paris, on a tout. Voilà. L'île de France, tu veux dire? Ce petit truc là. C'est cela, oui. Cette petite ville toute minable. Je trouve même pas Paris. Je peux y faire des congrégations religieuses. Bon, ce serait marrant. Alors nous, en réforme gouvernementale, on a pris le Léviathan, du coup. 33% de coûts de répression implacable en moins. Tombe bien. On va en faire un peu. Hop, 30 points. Bien. La Bourgogne se fait envahir par Bayeut. Bayreuth. 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 C'est chiant à dire. Comment on en est où au niveau des colonies? Ça c'est fait, ça c'est fait, ça c'est en train. C'est dingue. À peine je bouge mes armées, déjà les armées des autres elles fuient quoi. Elles veulent pas rester en place et se faire massacrer gentiment. Bon bah le Milanais il part en pleurant. C'est pas du jeu. C'est marrant, il est même pas sorti de la coalition. Tant quoi. Mieux. Ça y est, la coalition se refait. Forcément, je combat 200 000 hommes. Ouais, on y va les gars. On y va, c'est-à-dire on attaque. Non, on se réforme. Oulala. Calme-toi. On lui fait peur, quoi. Un petit 10% d'amélioration des relations. Jeanne est pas dans la guerre finalement? Non. Non, j'ai pas coché parce que de toute façon je vais être limité même pas par ce que je vais prendre mais par l'extension agressive que je ne veux pas avoir en Europe. Ah, on a la montagne de cuivre qui est au maximum. C'est bien ça. Il est merci temps. Ah bah tiens, tu vois, moi j'ai des vrais events quand j'ai des trucs de prestige au slan. Là je gagne 20 de prestige et tout le prestige en surplus est converti en chaque type de puissance de dirigeant. Ouais, des fois ça m'arrive aussi. Bon, je vais aller sortir la Lorraine. Vous n'aurez pas la Lorraine. Ah, pas encore, faut que j'y aille. Il y a des troupes sur toutes les provinces de Milan. Hein. J'ai vu. Ouais, tu m'as demandé, je t'ai envoyé la moitié de mes troupes. Pour faire ta guerre. Ils étaient 200 000, on met 200 000. Voilà, c'est équitable. Ça, il n'y a pas d'anti-jeu. Ah, ils sont restés juste à côté de moi cette fois, cette bande d'idiots. Parfait. Tiens, donc qui on doit sortir? Il y a quand même du monde. Il y en a plus que ce que je pensais. Tiens, 30, le Brandebourg, 30 Lorraine. Bien, faut qu'on sorte 30 Lorraine Hongrie, c'est ça, hein? Frent, il est relou à sortir. Hein. Il veut pas. Il fait son chouin-chouin. Canon, assaut. Ok, si tu le dis. Donne-moi l'idée de te contrarier. Exactement. Ça me coûte pas cher, hein, tu noteras. Non. Bon, bah l'assaut n'a pas marché. J'ai plus d'infanterie. Du coup, j'en renvoie 60 000. Comme quoi, l'idée de te consacrer n'était pas si mauvaise. Rien à foutre. Ouais, ça m'arrive souvent, ça. Hein. Le truc, c'est que... Bah, on en remet, quoi. C'est une naze, ça serait naze. Et si ça marche pas, bah, on en remet. Quand il n'y en a plus, il y en a. Bah, c'est ça, le truc. J'en renvoie encore 30 000 au cas où. Là, j'ai stack wipé quelque chose. Je crois que ça a une tête d'Hongrois, parce que j'ai stack wipé, mais de petits Hongrois, parce qu'il reste un autre gros Hongrois plus loin. Allez, on rassolte. Hop là, ça c'est stack wipé. Ouais. Ah là, la Lorraine c'est stack wipé aussi. Non, pas mon homme d'état. Là, éventuellement. Pourquoi vous me faites ça? C'est long hein, quand je change de conseiller, j'en ai 7. Et hop, 31. T'étais pas coché, donc du coup, tu sors. Ah, c'est trop loin. Mais dis la Lorraine aussi. Non, la Lorraine manque un tout petit peu.
Ouais, il faut que je fasse tomber son... sa forteresse. Ça marche. Hop là, la Suisse est sortie. J'ai pas filé plein de pognon en plus. Merci la Suisse. Ouais, j'ai pas demandé le pognon. Tu veux que je demande le pognon aux gens, les... ou DAF ? Oh non, c'est bon. Je me fais assez pas, de pognon. Ça rallonge les trêves, hein, pour rien en fait. Le pognon, je m'en fais assez. Ouais. J'espère que ça va pas me faire comme dans l'autre partie. On a pas toujours entendu ça, hein. Bah non, j'ai eu un peu de mal avec le développement de mon pays, mais maintenant... Tout va bien. Oui. Il faudrait aller soutenir le français, parce que s'il lâche son fort, parce qu'il a changé d'avis, ça va être la misère, donc je vais le soutenir. Ah, le hongrois vient de se faire Karakoyunluze. Oui, c'est une marche, donc du coup, il pique. C'est la marche qui pique. Mmh. Occupé par Portugal ? Qu'est-ce qu'il fout là le portugais ? Ah, c'est le français qui doit mettre des sièges pour le portugais. Il essaye de faire son travail. Hein. Il paraît qu'il est fidèle, le français. Alors. Ah bah oui, parfaitement fidèle. Hein. Ouais, ouf. C'est un fidèle français. Donc il nous reste que la Lorraine, c'est ça ? Elle doit bien vouloir maintenant ? Non, toujours pas. 47 sur 51, ça a régressé. Ouais, le temps que le siège y tombe. Ça marche. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Comment tu vas faire ta paix, toi, Bodaf ? Avec Mélange, tu ne détiens rien. Con, mais il va jamais vouloir, là. Essaye de sortir pour voir. Alors, attends. Hop. Là, je suis à 54 sur 197. Toi, tu reviens aussi. Parce que je lui demande des thunes. Si je lui demande pas de thunes, je suis à 54 sur 172. C'est bizarre. Ouais, j'ai 12% du score de guerre. On commence à faire des... Bah ouais. Donc il faudrait que tu me files le contrôle des provinces, au moins celles qui n'ont pas de fort. Bah oui, c'est ce que je suis en train de faire déjà, là. Plus la capitale, quand même. Allez hop, plus d'absolutisme maximal. Ça donne quoi là ? 34 jours, putain, mais qu'est-ce que c'est long ? 69 sur 107. Ouais. Ça monte petit à petit, ouais. C'est-à-dire que je t'ai tout donné là ? Non, tu m'as pas donné Mantoue, par exemple. Normal, il y a un fort. Ouais, et après, il y a Torino que t'es en train de siéger. Je te donne Mantoue. Ah oui, mais c'est tout ça, c'est des forts. C'est parti. Là, il veut bien. Bah, je suis pas prêt. Attends. Je remets mes... J'arrive avec mes troupes. Ouais, vas-y. Est-ce que t'as encore une guerre contre toi Enfin oui, si, pas une petite en plus. Ah bah oui, là, je vais pas... C'est bon, tu peux y aller. Un petit peu comme un sac, on va pas se mentir. Attends, il faut sortir Lorraine d'abord. Ouais, d'accord, je vais attendre de sortir la Lorraine. Tu peux pas faire péter un petit coup de canon, là ? Mais point ! Oh la vache. Il joue au con, là, hein. Bien taper l'Autriche quand même. Bah, quand tu veux, mon ennemi. Tu fais ta technique, tu le tapes puis tu m'invites après. Non, j'ai une cible encore plus fraîche, plus facile. Plus facile que l'Autriche. Oui. Ça tombe si t'attaques l'Autriche, le Palatinat il vient pas. Donc, c'est réglé. Je vais attaquer la Bavière. La Bavière, ça existe. Voilà. Et le Palatin. En tout cas, Palatina, il aura réussi à garder l'empereur. La Lorraine s'est tombée. C'est propre. Ça marche. Je te laisse la sortir. Ouais, tu me laisses la sortir.
Je peux pas, j'ai pas de diplomate. Qui vous êtes-vous? Deux secondes. Ulm, Rothenburg. Faut attendre. Sinon, tu me donnes le siège et puis tu te casses. Ça revient au même. Il faudrait qu'on recule un peu quand même. Sûr de pas faire n'importe quoi non plus. Ah bah, de toute façon, elle me demande à sortir. Voilà, hop. Tu peux partir. Ah ouais, je vais demander un petit peu de thunes. Bah, voyons. Ah, on peut vendre des provinces, mais on peut pas demander à acheter. Est-ce qu'on vend une province? Non. Et voilà, j'ai toutes les colonies du Castillan. GG. GG, première puissance du monde. Non, je suis juste passé deuxième. Et du coup, tu récupères les traités de Torseidas, c'est pas mal ça. Ah ouais, tu passes deuxième. Et ouais, 1064 de développement et dépendance, c'est propre. Ah bah, il avait bien travaillé le Castillan dans ses provinces. Ah ouais, il avait des belles colonies, ouais, clairement. Et puis alors, plein de marchands à faire, hein. Non, il y a des trucs qui tombent là ou pas? Ah oui, c'est tombé là. Ça tombe partout. Et tout est retombé ou presque. Alors Milan, qu'est-ce que tu me donnes? Tu donnes quoi là? Tradition terrestre et prestige. Ouais, c'est pas mal. Ça. Non, déjà, c'est bien mignon tout ça, mais j'aurais préféré que tu me files le passage, quoi, en vrai. C'est ça que c'est. Pas les cibles du truc. Alors, ça fait une quoi de qui? Ah, ça fait une quoi de tout le monde. Et si je prends pas Parme? Ça fait une quoi jusqu'à Nuremberg 50. Et si je prends ça à la place? Orthotonique dans la Koa. On va rigoler. Slan qui s'inquiète d'une Koa, quoi. Bah, c'est pas que je m'inquiète, mais c'est que l'orthotonique peut rentrer dans ma Koa. Ça va être rigolo. Je vais peut-être attendre la fin de l'année. Là, il y a peut-être moyen de s'inquiéter. Effectivement. Ça sent la grosse connerie à pas faire quand même, hein. Ça sent le misclic encore. Oh, j'ai vu une Koa, j'ai cliqué. Ah, mais en même temps, je suis j'avais pas le succès. Lord Totoni qui rentre dans ta Koa, moi je casse l'alliance, hein. Oh là là, la confiance. Paillasson. La confiance, bravo. Ah bah non, j'ai pas envie de faire province, mais juste pour avoir le passage en fait. Ça fera plus propre. Ah non, par ouais, non, si, non. Non, non, non. Non, c'est non, chiant non, ce truc quand même. Les paysans qui se révoltent, on se rend cogne. Là, on peut améliorer. Là. Faire du siège d'Augsbourg, très bien. Un niveau de déversement de 25. Ah, voilà ce qu'on va faire de notre point. Du monde là-bas. Alors ça va être bien d'avoir le passage par le nord. Enfin. Hop. Ça sera toujours ça de prix. Corruption annuelle moins 0,05. La forteresse du Bourguignon, elle tombe d'une force. On peut faire des politiques. Productivité, que je ouais, tiens, prendre la productivité. Marchand et coût des régiments. Ah non, oh, de la merde. Former la nation italienne. Bof. Ça, tu peux décocher, je le ferai jamais. Bilan, tu veux pas? Je te prends juste trois provinces de merde. Il faut 800 balles. Bon, on va attendre d'avoir 800 balles, pas de soucis. Du coup, t'es parti sur l'Autriche tout seul? Non, la Bavière est tout seul. Ah oui, c'est soldé par Ulm, ok. Alors, c'est pourfu. La couronne. Voilà, les Alpes, voilà. C'est à moi. Bien choué. C'est marqué. Tiens, j'ai stack wipé l'armée autrichienne. Quel dommage. Tiens, avec 38 000 hommes, ah non, avec des armées quand même. Je suis trop cher. Beaucoup trop cher.
Bon, on va aller faire de la guerre. Ça y est. Et on a un héritier. On a un nouveau dirigeant. Parfait. Bon, 4-4-0, c'est pas ouf. Ça fait pas dire. Un peu merdique même. Passe 1, voilà. Pas se mentir. Bon, si je pouvais changer de dirigeant, ça serait cool. Mais bon, on savait qu'il allait venir. On a un héritier, 5-4-2, c'est bien. Ça fera le taf. Bien. Alors, si je fais la paix avec cet immonde hérétique. Tu envisages des paix avec des hérétiques maintenant? Ouais, pour l'annexer entièrement. Bah, ça me fout tout le Saint-Empire sur le dos. Vas-y, go. J'en ai marre, moi aussi, du Saint-Empire. Allez, let's go, on y va. On y va tous ensemble. Dans des guerres séparées en mode gros stuff. Tous contre tout le monde, là ça va le faire. Je sens que le prochain épisode va être très gore. On se fait un 1v1v1v1 vs l'Empire. On va se faire 1v15 contre 1v15. Le Portugal il va attaquer qui? Bah, il a rien. Le Portugal par contre il a rien à foutre. Ça y est, c'est fini. Ah, il a fini son objectif. Ouais. Il a plus qu'à intégrer sa France gratuitement. Ou presque. Non, va falloir que je paye des points diplo, ouais. 2-3. Ouais, une paille. Ouais. Avant, va falloir que j'intègre le Songhai aussi. Ok, exil. Ok, on a bien claqué les points. Ça. On a le temps. Bouchon de Liège en Toscane. Je crois que vous aviez défoncé la Toscane. Non, elle n'était pas dans la guerre. On défonce tout le monde, on est des fous. Bah ouais, un peu, ouais. Bah allez, moi j'allais nettoyer l'Amérique du Sud. Si on a quoi, maintenant qu'il reste plus grand chose qui est pas à toi. Ouais. Enfin, c'est mes colonies qui vont nettoyer. J'ai juste à déclencher la guerre et à attendre. C'est ça. Hop, balance ça. Ici, on en est où? On construit. Ok. Après, on pourra enchaîner ça. Et là, hop, hop, voilà. Ça peut monter petit à petit aussi. Bon. Moi j'ai consolidé ma frontière. Ça serait boosté ça. J'ai mis un fort partout. Plus simple. Il est quand même puissant le nœud de Novgorod. Enfin, puissant. Il est intéressant. Pas dire. Novgorod, il y a. 59. Ouh. Hop, vous par là-bas et vous par là-bas. Non. Combien j'ai de capacité de gouvernance? Rien. Alors. Prochaine trêve, Gujarat en 642. Oh, ça sent bon, hein, Gujarat, si je t'attaque. Bah déjà, si je t'attaque, eh ben, il se passe rien parce que j'ai pas de casus belli. Donc, je te constitue. Le Jaunpur, il se sent bien? T'as pas, Jaunpur? Tranquille, ta vivi. Parfait, on passe à 65 ici. Et en plus, on a augmenté la puissance. Transoxia, Normouz, Gujarat, Malwa. Ah, ça c'est beau quand même.
Ça c'est très beau. Jailleur Mousse, alors on va venir mettre. C'est parti. Et ça serait bien d'avoir deux navires lourds de plus, que sur que ce soit plus propre quand même. Tu m'étonnes. Exactement ce que j'arrête pas de me dire. Ça manque de navires lourds, tout ça. Ah là là, tous ces gens qui se retirent de la coalition car ils comprennent que nous ne sommes pas une menace. C'est le moment d'attaquer. C'est le moment de leur défoncer la tête. Le mec il fait « Tu te sens menacé par la Scandinavie ?» Il fait « Oui » avec sa tête et il dit « Non, non, non. » Pas du tout. Avec le hochement de tête de bas en haut. Je ne vois pas pourquoi je me sentirais menacé. Revenez-vous. Bien. Ah, bah les états pontificaux qui sont en train d'attaquer la Bourgogne. Ou l'inverse, hein. Ou l'inverse. Ah oui, non, ils dessiègent la Bourgogne, je me disais. C'est bizarre. Alors là, par contre, je vais pas pouvoir mettre autant d'hommes devant l'Afghanistan. Ah, mais t'as repris le défenseur de la foi, Toton. Oh, ça fait non, ça fait super longtemps, ça fait genre un ou deux épisodes déjà. Ouais, mais j'avais pas fait gaffe de vous en étiez, moi, dans votre délire. Oh là là, il l'a toujours pas repris et tout. Je fais, bah si, ça fait déjà quelques mois que je l'ai repris. En fait, pour moi, ça fait tellement pas de différence que du coup, je sais pas quand je l'ai ou pas. C'est ça. Faudrait que je compte mes mercenaires, mes missionnaires, quoi. Mais comme ils sont tous à la maison à rien faire. Les missionnaires, ils sont toujours en vert, en fait. Ah, parfait, plus un siège pour un commandant, ça c'est cool. Ah, il y en a un qui a bougé. T'as bougé. T'es mort. Est-ce qu'il rapporte bien le Pérou quand il ramène sa flotte des Indes? Tu m'étonnes. Combien tu te fais? Là, il m'a ramené plus de 600 balles. Et j'ai pas encore fini mon bâtiment qui augmente. Ben alors? Travail Gujarat, avril 642. C'est dans pas longtemps, ça. Tintintin. Caracoyonou, c'est mon poteau. Ouais, non, je peux pas. J'aimerais le faire bien le faire grandir un petit peu. Alors, pas beaucoup. Ça ressemble à quoi dans le coin, le Shun, là? Ah ouais, t'as percé jusqu'à l'autre côté, pas mal. T'as pris Pékin, le teuton. Fait un moment. Monsieur la cité interdite. Ouais, bah j'ai pas le nez dessus tout le temps, hein, c'est bon. Genre, ça fait un moment, t'as tout suivi, quoi. Moi, je ne fais que ça, le regarder faire. C'est marrant, j'y crois pas du tout. Ah, on a un marchand. Hop, on va déclencher la guerre contre Yao. Gagner un peu plus ici. Allez hop, c'est parti. On était ici avant. Ouais, on était là. Ouais, il a dû sauter. Grave. Voilà. Hop là. Toujours pas légitimé. Ah, j'ai des états là que je peux établir. D'ailleurs, j'ai établi. Ah, on a 800. Hop. C'est pas en avril que ça s'arrête, cette guerre-là? Si, c'est là, c'est maintenant. Donc, Afghanistan, Gujarat, Hormuz.
Ouais, puis sûrement une petite quantité d'autres. On en est où là? 55, 60, oui, on peut se permettre. Tac. Oh non! Attendez, parce que deux secondes avant, j'ai la coalition qui se reforme. Voilà. D'accord. Attendez, parce que j'ai construit une université, un truc à Novare. Du coup, je peux pas le légitimer. Hop, voilà. J'ai une mission qui vient de se déclencher. Relationniste standardisé. Détection des étrangers et constitution des réseaux d'espionnage. D'accord. Bon, et donc j'attaque qui? Gujarat et je coche Afghanistan. Waouh! Transoxian, Afghanistan, Yarkand, Jaunpur, Madurai, Multan, Hormuz, Malwa. T'as une coalition toi, non? Non, il y en a qui sont dans la coalition, mais ça pique un peu. Alors si j'attaque Afghanistan sans cocher Gujarat. Le Malwa, je m'en fous. Ouais, ils sont deux fois moins, on y va comme ça. Ouais, non. Allez, je coche. J'y vais sur tout le monde. Go. C'est parti. Ah oui, nous pouvons intervenir carrément, quoi. Tu peux intervenir parce que quoi? Parce comment que c'est de un mon côté alors pour m'aider. Un conflit dans une grande puissance. On intervient. De mon côté. Ouais, bizarrement, il me dit d'intervenir dans du côté de l'Afghanistan. Pourquoi? De l'Afghanistan? Bah ouais. Comment c'est possible? Je peux choisir. Non, tu te trompes. Possible. Tu confonds. Oui, c'est ça. Le camp que nous comptons rejoindre a le moins de grande puissance. Mais en fait, faut lire. Mais il te demande d'intervenir dans une guerre, sauf que comme c'est une guerre contre l'Afghanistan, voilà, il affiche l'Afghanistan. Mais... Et en fait, tu serais dans mon camp contre Jaunpur, Gujarat. Tout à fait. Et qui sont deux grandes puissances, en fait. Tout à fait. Voilà. Deux un peu grandes puissances, quoi. Parce qu'il n'y a pas pire, en fait. C'est surtout ça. Bah, c'est quand même, si. Ouais, si, si, 816 si. Et 460 160 000 ouais. Hommes, Gujarat 100 000 hommes. Hein. Oui, donc mais en termes de grande puissance, c'est 816, quoi. Enfin, ça, c'est 3647. Bah, ils sont à deux doigts de pouvoir être aussi puissants que moi. À deux doigts. Bah, d'ailleurs, s'ils gagnent, il se pourrait qu'ils te mettent une messe, hein. Ah là là, beau. Imagine, alors. Ils vont à Venise. Oh. Ouais, direct. Imagine, ils débarquent à Venise. Imagine, ils rushent Venise. C'est où la céphalonie? Ah, c'est là-bas, ok. Pendant ce temps-là, moi je vais voir Venise et qu'est-ce que je vois? Des bouts de l'Autriche disparaître au profit de l'ordre teutonique. Oups. Discrètement. Des bouts de Bavière. C'était la Bavière, j'ai pas eu le temps de voir la couleur d'origine, je pensais que c'était l'Autriche. Bien, donc là. Ici, hop. Ici, ça c'est du 3, ça c'est du 6, on va commencer à arriver sur des provinces sympathiques. T'as envie de t'amuser dans l'Empire le Cygne? J'ai encore quelques trêves, mais pourquoi pas. Qu'est-ce que t'envisages? Oh non, quel merdouillage! J'envisage une très 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 grosse guerre. Alors attends. C'est la grosse guerre. J'arrête les entraînements déjà. Le truc c'est que je t'ai déjà appelé, hein. Quoi? Bon, 300 balles par mois plus la flotte des Indes, c'est pas mal. Ah, ça vient juste d'arriver. Oh. Ah non, mais la pop-up vient juste d'arriver, quoi, je... Je te jure, j'ai envoyé le chèque la semaine dernière. Que j'ai mis ce clic et que je pensais avoir appelé le signe, alors qu'en fait, j'ai appelé le pape. C'est pas la même, dit, hein. C'était peut-être mieux, parce que comme ça, t'as pas la coalition, moi. Par contre, du coup, il y a plein de troupes qui sont déjà chez moi. Ça fait plaisir. Va falloir qu'on aille mettre des petites fessées. Notre morale n'est pas forcément au mieux. Allez, c'est parti. Je te l'échange la participation à cette guerre contre la Frise, si tu veux.
Ça se négocie. Ah là là, oula, là là. Ça c'était un petit peu. La frise que t'as déjà, c'est ça? Ouais. La frise qui m'a piqué. Ah, le Palatina qui est déjà sorti. Tu sens qu'il en peut plus, le pauvre Palatina, quoi. Mais pourquoi c'est toujours ma compte? Bah, c'est toi l'empereur. Mais pourquoi on me l'a pas dit? Allez, lire les petites lignes. Ouais, alors ici, c'est peut-être pas l'idée du siècle. Ouh, alors, ils sont vraiment beaucoup, on est en guerre là, quand contre même, hein. Munster aussi. Ok, très bien, on y va. Ils sont quand même beaucoup. Ils sont vraiment beaucoup, beaucoup. T'as l'air inquiet. Combien ils sont? Et c'est quoi cette fédération? Je peux pas savoir. Punaise. Mais ils sont beaucoup. 29. Eh, j'en ai eu 1000. 30 000 hommes. Allez. Ah ouais, non, ils sont 270 000 devant moi, quoi. Prochain mois, ça y est, on a du moral, on peut y aller. Comment vous voulez que je m'en sorte? Je suis à deux doigts d'utiliser ma manpower. Hein. Oh, le mec. Ouais, mais qu'est-ce que je fasse? Incredible, quoi. Non, mais même Killua se met dans la coa, quoi. Pourquoi? Tellement ils sentent que je suis pas bien. C'est quoi ce bordel qu'il y a des gens qui t'assiègent alors que je suis pas dans la guerre? Teutonique, t'as lancé deux guerres? Non, j'ai pas du tout fait ça. D'accord. Putain, il a quitte à maintenir sorti... les forces, tu vois. Il a sorti le Palatinat de la guerre pour en relancer une avec le Palatinat deux minutes après, quoi. Il est en train de démanteler l'Empire, je pense. Non. Je vois pas de quoi tu parles. C'est terrible. Mais je présume de rien, mais ça ressemble à quelqu'un qui est en train de démanteler l'Empire. Je suis extrêmement déçu que le signe ait cafeté. Oh. J'essaie de comprendre pourquoi stratégiquement oui, il y avait un truc qui couillait. Comprends tout bas, histoire que mes plans machiavéliques ne soient pas révélés au grand jour. Tes plans machiavéliques. Si, c'est machiavélique. C'est l'Empire romain germanique, deux fois dominante catholique, pourquoi tu l'abats? Bah parce qu'ils me font chier. Ce qui l'empêche d'atteindre la Bourgogne et ses séparatistes. Je me suis dit, ils m'embêtent avec leur expansion agressive de partout là. Allez, on va leur mettre des grosses baffes. Ils vont comprendre ce que ça veut dire que d'être catholique. De toute façon, il y en a la moitié, ils sont même plus catholiques dans cet empire. Ce qui est marrant, c'est que j'ai Jaunpur et Gujarat contre moi, mais ils osent vraiment pas siéger, quoi. Ils sont sans cesse en mouvement, les mecs. Faut pas rester immobile. Restez pas immobile. Si on bouge, ils nous verront pas. Les pauvres. Les pauvres, mais les pauvres. Bon, j'ai stack toi 30 000 hommes, ça devrait calmer un petit peu. Les éventuelles velléités. Moi j'en ai chopé 24 000 par erreur. Désolé, je ne faisais que passer. Yeah, on a un aussi bon 70% de partout. C'est parfait ça. Ça c'est désiégé. Alors, contre qui on est en guerre? Merde, il y a des gens partout. Là il y a un truc qui est pas assiégé. Ah, ça rapporte. Courez, ça rapporte. Chopez-le. Stop. Quoi? C'est l'heure. Oh là, tout d'abord, là, je prétends l'hégémonie, pour commencer. Il est temps de forger une coalition, suite. Exactement. On va dire au revoir à tout le monde. À bientôt tout le monde. À plus tout le monde. Bye, ciao, ciao, j'espère que ça vous a plu. Et à très vite. Je vais perdre mon hégémonie direct avec la guerre, là. À plus. Ciao, ciao. À plus. Bye bye.